Était Lajomar, le prophète Poulard au seuil de sa guerre sainte. Pour relever le défi de son voisin, il entra dans une longue retraite spirituelle. Lorsqu'il en sortit,
il proclama à ses disciples rassemblés que l'heure de la diade était arrivée. Après un siège de 6 mois, il écrasa Bimbasaro et son armée. Il fit de sa capitale une nouvelle base de conquête des royaumes païens. En 1854, il lança son armée dans une offensive générale. Il s'empara successivement de Sulun, de Djabé, de Bambougou, territoire situé dans le bassin du Wafi. Il se retourna vers l'ouest et conquit Tamboura de Djalafara, détruisit la forteresse de Niagala, s'empara de Sirimana avant de se fixer à Djafara pour parachever la conquête du Bambouk. La forte place de Farabana se rendit avec âme. Le Bundu, déchiré par la guerre civile, se rallia avec à sa tête le célèbre général Koli Modi. La conquête du Bambouk achevée, El Hadj Omar devait faire face à l'hostilité affichée de 2 ennemis déterminés. D'un côté, le colonialisme français, qui soumettait progressivement les peuples riverains du fleuve à force de jalonnements méthodiques de forts, allant de Saint-Louis à Bakel, et de l'autre, le redoutable empire Bambara Massassi. Par intelligence tactique, El Hadj Omar décida de s'attaquer à l'empire Massassi. Composé de guerriers rompus au combat, l'armée Bambara était redoutée par tous ses voisins, y compris par les habitants du Fouta, victimes des razzias répétitifs et sanglants. En 1855, El Hadj Omar divisa son armée en 2 colonnes commandées, l'une par l'intrépide général Amadou Ali Kielia et l'autre par le tenace Diodio Temba. Cependant, l'armée musulmane rencontra une résistance farouche. El Hadj Omar exhorta ses partisans à la patience et au courage. Il entra dans une retraite spirituelle qui dura 1 mois. À sa sortie, il donna l'ordre d'attaquer sans défaillance. Ses partisans, révigorés par la victoire annoncée, se ruèrent sur l'ennemi avec ardeur. En une journée, l'armée Massassi subit une perte considérable. L'armée du Djihad traversa le fleuve en pénétrant au cœur de l'empire ennemi. Des places fortes, à l'instar de Kunyakari, Yelimana, Giafuna sont successivement conquises. Les païens vaincus et résignés se convertirent en masse en se faisant raser la tête. La capitale de l'empire, Nioro, devenait le prochain objectif de la conquête. Tiraillé par une intense action de propagande omarienne, ce qui restait encore de l'armée Massassi fut démoralisé non seulement par la foudroyante défaite subie à Yelimana, mais aussi par l'action souterraine de séduction. N'ayant plus de soldats motivés et ayant obtenu la vie sauve en échange de reddition, le souverain du Massassi, Mamadi Kandjan, se rendit et se convertit à l'islam. Le 11 avril 1855, El Hadj Omar entra triomphalement à Nioro. De Dingira et Okungi, du Bundu au Bélédibou, il était le maître absolu. Mais le plus dur reste à faire. Secrètement agité par le colonialisme français, inspiré par le général Federbe, une fraction de la population soumise entra en rébellion pour protester contre la limitation de la polygamie imposée par la religion. Le général Federbe, qui venait de construire un impressionnant fort à Medina Sarro, tenait plus que jamais à contenir la continuité géographique de l'empire romarien naissant. La campagne de pacification dura 2 ans. Conscient du danger rampant représenté par l'hégémonie coloniale sur le fleuve, les partisans de Sheikh Omar,
galvanisé par le téméraire Mohamedou Ahmad Kourouadou, Hadde Wada, attaquèrent avec courage le fort de Médine en 1857. Retranché dans son réduit assiégé de toutes parts, le métis français Paul Hall défendit énergiquement l'imposante, l'infranchissable bâtisse. Le siège dura 3 mois, faisant de nombreuses victimes de part et d'autre, dont le martyr de la Seine, Mohamedou Ahmad Kourouadou. Le fort colonial fut délivré par Federpe, accouru dès la première crue du fleuve. El Hadji Omar entreprit son deuxième retour au Fouta, prêchant le fergot ou l'exode, exhortant ses parents à quitter leur pays, désormais dominé par la France. De janvier au mois de décembre 1858, il passa l'hivernage au village de Rolefonde, entièrement occupé à persuader les notabilités à prendre le chemin de l'exil. En 1859, il repart à Niolo, résolu à parachever sa mission politico-religieuse. L'empire Massassi disparut. Un autre empire encore plus coriace se dressait inévitablement sur son chemin. C'est l'empire de C. La conquête foudroyante du Massassi, voisin certes Oni, avait cependant plongé Ségou dans l'effervescence militaire. Son roi, secrètement converti à l'islam, fut publiquement décapité pour l'exemple. Les Tondjons, captifs publics, vrais maîtres du pays, proclamèrent solennellement leur volonté d'anéantir le petit marabout porteur de gourdes. Le nouveau roi, Dina Ali, sonna la mobilisation générale. La tradition évalua l'armée rassemblée à 36 000 combattants, dont 12 000 à cheval. Il confia le commandement à son fils, avec mission de vaincre ou de périr. Force colossale, sublime mais terrifiante, qui devait décider du sort de l'Empire. La gigantesque armée campa à Ouidala. Le 5 septembre 1860, El Hadji Omar apparut à Ouidala à la tête de son armée, revitalisée à N'Djamena, sur les bords du Niger. À la veille de cette bataille décisive, le compagnon efficace de Cher, un Saint-Louisien nommé Sambandiaï, réussira la prouesse de réparer 2 obusiers pris au Bundu par les partisans de la Diag sur le capitaine français Cornu. Le choc eut lieu le lendemain. L'armée musulmane se heurta en murs de feu et de flèches. La panique gagna en instant le rang des conquérants. El Hadji Omar rentra dans une nouvelle retraite spirituelle de 3 jours. Il sortit annoncer la bonne nouvelle. Les 2 obusiers, que les talibés ont ironiquement baptisés les boucs du gouverneur, firent des ravages dans le camp Bambara. C'est ainsi que l'armée colossale de Ségou a été anéantie, les Tondjons dispersés dans la savane. Après avoir soumis au passage la ville de Santanding, le 15 octobre 1860, El Hadji Omar rentra dans la ville de Ségou le 9 mars 1861. Il brisa publiquement les idoles impériales, construisa une mosquée, confia ensuite le commandement de la cité à son fils Ahmadou. La retentissante victoire sur Ségou ébranla l'édifice géopolitique de la région. Le 12 mai 1862, El Hadji Omar rentra dans la capitale Peul Handalay. C'était l'apogée de sa gloire. Il était le maître de l'Occident soudanais. 10 ans après le déclenchement de la guerre sainte,
Son mouvement était au fait de sa puissance. En détruisant de vieux empires chancelants et les petits royaumes divisés, il visait l'intégration des peuples d'Afrique dans un vaste ensemble cohérent et fiable. Il renoua avec les traditions impériales en fondant une vaste entité politique qui opposa une longue résistance à la conquête coloniale. Il est l'un des précurseurs de l'intégration des peuples d'Afrique, au même titre que les anciens empereurs du Songhai, du Ghana et du Mali. Mais toute chose a sa fin. Un an après la conquête de Hamdallahi, une grande coalition formée par ses ennemis du Massina, de Tombouctou et de Ségou, s'organisa en vue d'accélérer sa perte. Au mois de mai 1864, cette coalition tendit une embuscade meurtrière au vaillant général Alpha Omar Kiernobaila, à Mani Mani. Quelques jours plus tard, l'autre général émérite, Alpha Ousmane, tomba en martyr à Ségué. Ces deux pertes par leur portée militaire provoquèrent une onde de choc aux conséquences funestes. Pendant 8 mois, Hamdallahi, dont les issues furent hermétiquement bouclées, était impitoyablement assiégé. Dans la nuit du 7 au 8 février 1864, alors que le croissant lunaire annonçant le Ramadan faisait son apparition dans le ciel, El Hadji Omar réussit en compagnie d'un nombre réduit de fidèles à quitter la citadelle assiégée, minée par la famine. Tenant par la main ses deux fils, Maki et Hadi, il traversa l'une des portes de la ville, dévorée par les flammes. Ses compagnons et lui s'en sortirent sans aucune brûlure. Ce haut fait miraculeux fut le dernier prodige du saint de Halwa. Il alla se réfugier dans une grotte, près de Djegembele, dans la falaise de Banjagara. Il y attendit en vain le retour de son neveu Tidiani, parti chercher des renforts. Toute chose à sa fin, il sentit que la fin était proche. Celui qui brisa 360 idoles pendant sa fulgurante carrière. Celui qui remporta 222 batailles aux dépens de ses ennemis. Celui qui traversa des dizaines de pays en quête de la science. Qui aligna 30 000 combattants pour réussir sa cause. Qui fortifia un empire de 300 000 km². Qui écrit une dizaine de livres pour enseigner les connaissances. Celui-là qui disposait de la ferveur divine d'entendre les cœurs parler, qui vit le prophète à l'état de veille, qui possédait le grand nom de Dieu, qui reçut l'autorisation spéciale de déclencher la guerre sainte, ne perdit jamais la dignité. L'honneur et la lucidité face aux pires épreuves. Le 12 février 1864, alors que l'infortuné refuge était totalement cerné par une coalition haineuse et déterminée, El Hadji Omar disparut dans des conditions encore controversées. L'homme s'en alla avec ses mystères, mais la mémoire se perpétua à travers les siècles. Il ne mourra pas. Il ne mourra jamais.
Virginie.